De l'ouest du Soudan au sud algérien, du nord du Niger, du Mali jusqu'à la Mauritanie, ils sont près de 2 millions dispersés sur une superficie d'environ 6 fois la France. Sécheresses successives, répressions politiques ont décimé les tribus. Persécutés, affamés, la plupart des Touaregs ont dû abandonner le désert pour les camps de Mauritanie, d'Algérie et du Burkina. D'autres se sont sédentarisés dans les banlieues de Niamey au Niger, de Bamako au Mali. La tribu des Keltédélé, mot à mot les gens du bord, vit depuis toujours entre l'Aïr et le Ténéré. Ebera est un des chefs restés au désert. Aussi longtemps qu'il vivra, il veut pouvoir mener sa tribu, les familles de ses 12 enfants, d'un campement à l'autre. Si âpres soient leurs existences, si dur soit le désert, il est toute leur vie. Il s'était heurté à la colonisation française. Maintenant, la menace vient de l'Afrique même. Ils subissent de plein fouet les difficultés des économies locales. Obligés de faire évoluer leur mode de vie, les Touaregs refusent les diktats des États tout en restant plus que jamais fidèles à leur passé. La culture Touareg est une culture du désert, c'est une culture très forte, ce sont des traditions très anciennes auxquelles les Touaregs sont très attachés. Le peuple Touareg qui vit aujourd'hui dans le désert, il faut l'aider à se développer, il faut l'aider à développer les moyens dont il dispose, certes à se scolariser, mais il faut que tout cela se fasse dans une certaine douceur culturelle, sociale, comme les Touaregs ont toujours vécu. Nous sommes pour un changement, mais nous ne voulons pas d'un changement qui va complètement tuer nos mentalités et notre culture. Le dromadaire, appelé généralement le chameau, reste l'auxiliaire indispensable. Il fournit les bouses séchées alimentant les feux du campement. Il est réserve nutritive à travers le lait des chamelles. Tout dépend de lui. Parce que c'est grâce au chameau que la vie est possible au Sahara. C'est avec lui que se font tous les transports, que ce soit par caravane ou dans les déplacements des campements. Depuis toujours, les caravanes ont transporté des marchandises d'un rivage à l'autre du Sahara. Et c'est comme ça que les peuples du Sahara ont pu survivre jusqu'à maintenant. La caravane a une importance culturelle très forte pour les Touaregs parce qu'elle permet de perpétuer la culture, elle permet de perpétuer aussi des traditions qui sont très fortes chez les Touaregs, notamment en ce qui concerne l'honneur. L'honneur a beaucoup d'importance chez les Touaregs. Et les enfants qui participent aux caravanes, qui sont souvent très jeunes, qui ont entre 10 et 12 ans, apprennent à supporter les manques d'éléments très importants, notamment la nourriture et l'eau, par exemple. Et cette école du désert qui leur apprend à supporter avec beaucoup de courage les manques de ces éléments leur interdit d'en réclamer. Après la saison des pluies, quand l'étoile de la chamelle blanche se lève dans le ciel, la caravane d'Ebera prend la direction de l'est. Elle se dirige vers les salines de Fatchi et de Bilma, de l'autre côté du désert du Ténéré. Après 3 mois de voyage, les hommes échangeront le sel contre le mil, les dattes et le thé. Les femmes et les enfants sont restés au camp avec quelques hommes pour les protéger. Hamoud, dernier fils du chef Ebera, est l'un d'entre eux. Amoureux de sa cousine Fatima, il désire l'épouser. Jusqu'à présent, Hamoud est resté discret sur ses sentiments. Pourtant, les commentaires vont déjà bon train. Je suis venu à la guerre de ça.
Hamoud a demandé à son cousin Mohamed d'obtenir tout à la fois l'accord de la promise, le consentement de ses parents et l'approbation de son propre père. Le vieux chef approuve le mariage, mais tout reste à faire. Jusqu'au dernier moment, et même après, les femmes Touareg, quel que soit leur rang, ont leur mot à dire. Et Fatima ne s'en privera pas. Tout semble conclu. La date du mariage fixée, les tribus des campements voisins sont invitées à se joindre aux festivités. Les écoles nomades de Brousse permettent aux enfants de s'ouvrir à une pratique du français indispensable pour sortir de leur isolement. Mais dans chaque tribu, les femmes continuent de transmettre le vieux savoir des sables, l'écriture touareg, le tifinag. Les campements changent de lieu au fur et à mesure que s'épuisent points d'eau et pâturage. Le nomadisme est une obligation. Se déplacer est la seule réponse permettant de survivre dans les conditions d'extrême rigueur du désert. Aussi étroits soient les liens entre les familles, l'intimité de chacun est préservée. Rapprochez vos cœurs, éloignez vos tentes, dit le proverbe. Chaque camp en est l'illustration. Le mariage de Fatima et de Hamoud est l'occasion de retrouvailles. Toutes les tribus du voisinage ont été conviées à la fête. Fatima a beaucoup hésité, mais finalement, libre de son choix, elle a dit non. À Hamoud, le fils du chef, elle préfère l'un de ses anciens prétendants. Le mariage envisagé n'aura pas lieu. Personne ne trouve rien à redire. Fatima a eu le dernier mot. S'il est triste, Hamoud se doit de respecter le choix de sa cousine. Le code de l'honneur touareg l'oblige à ne professer ni paroles amères, ni aucun signe montrant son désarroi. Mmh.
حياه مدره يو قال يو يو قال انك دي ملل Mariage ou pas, la fête est maintenue pour célébrer la joie d'être ensemble. Chez ses descendants des Berbères, le port du voile réservé aux seuls hommes est sans relation avec la religion. Indispensable pour se protéger de la poussière et de la réverbération du désert, le voile aurait été imposé par les femmes. Selon une vieille légende, il masquerait la disgrâce de guerriers vaincus lors d'un ancien combat. Les guerriers sont au sommet d'une hiérarchie complexe où se mêlent nobles, vassaux, suzerains, marabouts, serviteurs et forgerons. Femme frappe le tendé, le mortier a pillé le mil. Tendu d'une peau, il est devenu un tambour. On fait le tendé pour une naissance, un divorce et même aujourd'hui pour un mariage sans époux. Ce carrousel de chameaux consiste à se rapprocher au plus près serré du groupe des femmes. Chacun prouve son adresse en tournant le plus vite et le plus longtemps possible, tout en exhibant la richesse de son harnachement. Tous les moyens sont bons pour attirer le regard d'une belle. Pillages, razzias entre tribus ont maintenant disparu. Pourtant, les chants continuent de célébrer les exploits des guerriers. Les takuba, les épées traditionnelles, sont devenues des armes d'apparat. Mais une nouvelle génération d'hommes bleus est apparue. Mano Dayak est de ceux-là. Ah!
Avec la nuit vient l'heure où les cœurs se confient. L'imzad, le violon à une corde, accompagne l'ahal, cette cour galante du désert. Une seule femme joue de l'imzad. Véritable maîtresse de cérémonie, elle décide du ton à donner à la soirée. Amour courtois ou récit d'amour plus légère, les hommes chantent les poèmes anciens ou improvisent devant les célibataires des deux sexes. Demain, les guerriers partiront se battre en se répétant le nom de celle qui a accompagné leur chant, la joueuse d'Imzad. Les Touaregs du Niger se sont donné un drapeau. Ils résistent. Aujourd'hui, Manu Dayak a reçu de mauvaises nouvelles. Par tous les moyens, nous avons essayé de nous faire entendre du gouvernement nigérien, mais c'est l'échec. Le cessez-le-feu est maintenant rompu. Plus que jamais, nous devons être extrêmement vigilants. Nous devons compter sur chacun d'entre nous, sur notre courage et sur le pouvoir de nos armes. Le peuple Touareg compte sur vous pour le protéger. Leurs arrières menacées par les militaires du Niger, les Touaregs doivent coûte que coûte forcer leur isolement pour trouver les armes indispensables à la résistance. Seule solution, s'allier à leurs ennemis de toujours, les autres rebelles du Tchad, les Toubou. Voilà, le satellite indique 18 degrés 27 nord et 10 degrés 12 est, ce qui nous situe exactement sur ce point-ci. Ce sont les dunes, la grosse concentration de dunes qu'il y a autour de la Armadette. Le rendez-vous est à 1000 km d'ici, de l'autre côté du Ténéré. La mission est risquée. Pour la mener à bien, Manu Dayak est allé prendre conseil auprès du vieux chef Ebera, son père spirituel. Bien que son propre père ait épousé l'une de leurs femmes, Ebera raconte comment, dans sa jeunesse, il s'est battu plus d'une fois contre les Toubou. C'était lors des Redzou entre fractions rivales. Mais les temps ont changé. Des ennemis d'hier, il faut faire les alliés d'aujourd'hui. L'avenir des Touaregs du Niger est en jeu. Le vieux chef accompagnera de tous ses voeux de réussite la mission de Manu Dayak. Avec l'heure de se quitter, est venue celle des phrases rituelles. Que Dieu vous protège comme l'écorce protège l'arbre. Première étape, les immensités du Ténéré, les paysages du Paris-Dakar. Thank you.
oasis où se ravitailler en vivres et en eau. Dans le désert, avoir le contrôle des oasis, c'est détenir les clés du pouvoir. Les troupes coloniales françaises l'avaient compris et y avaient élevé des places fortes. Avec la décolonisation, l'espace Touareg s'est retrouvé sous l'autorité de 5 États indépendants. Tous les germes des conflits à venir étaient alors semés. On a tracé en Afrique des frontières qui ne correspondent absolument à rien du tout, qui ont été faites de façon arbitraire et complètement illogique. Et on veut, à l'intérieur de ces frontières, essayer d'écraser toutes les différences, toutes les identités culturelles de chacun des peuples, essayer de créer un État unitaire. Cette unité ne peut pas exister si on veut piétiner ces identités, ces particularités culturelles de chacune des communautés. Aman, l'eau. Iman, la vie. Aman, Iman, l'eau, c'est la vie. Ici, elle jaillit depuis la nuit des temps. Pour les Touaregs, ces oasis appartiennent comme eux-mêmes au désert, même quand Algérie, Burkina Faso, Libye, Mali ou Niger les revendiquent. Nous pensons que la rébellion Touareg devrait être une espèce d'avertissement, une espèce de cri d'alarme que les gouvernants africains devraient prendre en compte. Ce qui se passe chez les Touaregs aujourd'hui n'est pas un cas isolé. Le peuple Touareg a été longtemps marginalisé, isolé, écrasé, piétiné, et un jour il a dit « ça suffit », il s'est rebellé. Il a pris les armes pour dire qu'il existe et qu'il doit avoir le même droit que tous les autres peuples. Ils sont la génération issue de la crise de l'univers Touareg. Les Touaregs les appellent les Ichoumars, un nom dérivé du mot français « chômeur ». Les Ichoumars sont partis en Libye, surtout à cause de la situation dramatique dans laquelle se trouve le peuple Touareg, notamment après les terribles sécheresses de 1973 et 1984, et aussi à la suite de l'appel de Kadhafi invitant tous les Touaregs qui étaient mal accueillis au Niger et au Mali d'aller s'installer en Libye. En Libye, les Touaregs Ichoumars sont allés grossir les rangs de la Légion islamique du colonel Kadhafi et ont combattu au sein de l'armée libyenne. Et très vite, malheureusement, beaucoup ont déchanté parce qu'ils se sont rendus compte que la Libye, au lieu de les aider, les a enrôlés dans son armée et les avait utilisés dans des conflits, notamment au Tchad et au Liban, où la Libye était engagée. Plus de 60 000 Touaregs venus du Niger et du Mali ont fait leur service militaire en Libye. Un exode massif qui devait transformer profondément les mentalités. Le retour des Ichoumars a été quelque chose, un tournant, je crois, dans l'histoire du peuple Touareg, parce que ce sont des gens qui sont revenus avec d'autres idées, ce sont des gens qui sont devenus d'une autre culture un peu, qui est une espèce de culture qui a mis à jour, qui a essayé de faire connaître, de faire savoir toute la détresse Touareg. C'est donc une nouvelle culture qui était née à travers une musique engagée, qui était la musique des Ichoumars. Donc c'était un phénomène complètement nouveau et qui était une espèce de porte-parole de cette révolte qui est le fruit de toute cette situation de marginalisation dont était victime la communauté Touareg. Thank you.
أفضل أمدبت. Refusant la sédentarisation imposée par la Libye, les Ichoumas retrouvaient leur désert en 1990. L'évolution du climat politique au Niger les avait incités au retour. Pourtant, le peuple Touareg devait subir la pire des répressions. Les Ichoumas allaient devenir les instructeurs de la rébellion. Manu Dayak ignorait qu'il se retrouverait à la tête de la coordination de la résistance armée des Touaregs du Niger. Il vivait auparavant à Agadez, la capitale de l'Aïr. Il croyait éviter ce conflit. Il pensait que le dialogue, le développement du nord du Niger apporterait la paix, la prospérité et le respect du droit de la minorité Touareg. Quand je dis que je vis entre deux mondes, je ne suis pas seul dans cette situation. C'est un peu tous les Touaregs de ma génération qui ont été scolarisés, qui ont aujourd'hui un pied dans la communauté Touareg, dans notre passé, dans notre système, avec la scolarisation et la vue du monde que nous avons eue à travers l'éducation que nous avons eue, nous a ouvert les yeux sur un autre monde. C'est un peu comme si aujourd'hui nous avions un pied en Occident et une vision et un regard sur notre côté, un regard en arrière sur notre communauté et notre peuple. C'est à la fois une richesse et aussi quelquefois une richesse qui est difficile à gérer parce qu'il faut pouvoir faire la jonction entre les deux mondes qui sont tellement loin l'un de l'autre. On est aujourd'hui au désert, au milieu de dunes comme ici. C'est une autre vie, une autre mentalité, une autre façon de parler, d'agir, de vivre que lorsqu'on se retrouve à Paris ou à Londres. En mai 1990, un seuil a été franchi. De jeunes exilés revenus au pays, victimes d'arrestations arbitraires et exaspérés d'attendre les aides promises, se révoltent à Tchintabaraden, au Niger. La répression se solde par 600 morts. Elle embrase l'Aïr, puis le Mali. Campement mis à sac, école détruite, troupeaux abattus, les hommes bleus s'habillent en treillis. Les Kalachnikovs apparaissent au point des seigneurs du désert. Et nous sommes dans une espèce de situation irréversible. Un retour en arrière est impossible. Et cette lutte se poursuivra s'il faut 10 ans, mais au bout de ces 10 années, l'amélioration des conditions de vie, des conditions d'existence de notre communauté doit se faire. L'entraînement est terminé. Les hommes sont prêts. Manu Dayak peut maintenant donner l'ordre du second départ, celui qui les mènera à la rencontre des Toubous. Le désert du Ténéré, cette vaste étendue entre le pays des Touaregs et des Toubous, tient du No Man's Land. Dans ce domaine interdit au commun des mortels, on ne fait jamais que passer. La caravane du sel de la tribu des Béra en est à 10 jours de marche. Elle poursuit sa route vers Bilma et Fatchi. Mano et ses hommes viennent demander si des mouvements de troupes ont été observés.
Autrefois attaqués par les bandits du désert, les caravanes redoutent aujourd'hui les représailles de l'armée. La présence des rebelles est pour eux une protection. La caravane fragile au milieu de cette immensité désertique ne peut compter que sur elle-même et sur ce qu'elle a amené avec elle. Les hommes de la tribu d'Ebera ont cherché en vain les traces d'autres caravanes. Mais les marchands Touaregs qui sillonnaient le désert du Ténéré l'ont déserté. Quand on sait que le circuit complet dure environ 3 mois, on comprend toute l'importance aujourd'hui de ces selles. Et quand on sait aussi que c'est un des rares moyens de subsistance des nomades et de l'Aïr, parce que la caravane qui a fait sa boucle et qui revient vendre son sel, échanger contre du mil, revient dans son campement, le mil ainsi rapporté peut permettre au campement de vivre toute une année. On comprend aisément l'importance de ces circuits encore. Zone frontière séparant le Niger de la Libye. On pénètre alors en territoire Toubou. Ils sont en territoire ami, mais tout peut arriver.
la récente alliance avec les Toubou reste à confirmer. De plus, une embuscade des forces nigériennes est toujours à craindre. Les liaisons radio sont impossibles. Émettre les ferait repérer. Ils sont réduits à l'attente. Des hommes sont envoyés chercher de l'eau. Une extrême vigilance et de rigueur. Les puits sont souvent des lieux d'embuscade, quand ils ne sont pas empoisonnés. Dans cet univers hostile, un seul allié, le vent. Il efface les traces de passage. Des chameaux qui sont passés. Quelques heures plus tard, le lieu de rendez-vous est atteint. L'attente des Toubou commence. Toujours rien. L'attente se prolonge. La tension grandit. Le contact est doublement important. Il doit permettre de s'assurer une alliance et de bénéficier de nouvelles filières d'approvisionnement en armes. Les hommes s'inquiètent du retard des Toubou. Un revirement est toujours possible. Oui, monte. Entre les communautés du désert, au fil des siècles, des liens se sont tissés. Parfois ennemis, parfois alliés, les nomades se combattaient puis se rapprochaient, allant même jusqu'à s'épouser. Aujourd'hui, nous devons faire la paix, a expliqué Mano Dayak. Un accord est conclu. Les Toubou s'engagent à fournir aux Touaregs les armes dont ils ont besoin. Deux hommes ont été désignés pour organiser l'acheminement des armes. Le prochain rendez-vous est fixé dans un mois. La mission doit rester secrète. Mano Dayak craint les patrouilles de l'armée. Pour les éviter, une seule solution, prendre la piste du nord. Yeah.
parce que selon eux, la maison est le tombeau des vivants, ils habitent l'immensité. Mais pour des milliers de Touaregs, la chanson des chameliers est devenue parole de nostalgie. Moi, j'ai habité les déserts, là où il n'y a ni arbres, ni ombre. Ce désert là-bas qui nous attend, c'est lui qui nous fera éclore. Signé entre le gouvernement nigérien et la coordination de la résistance armée de la rébellion Touareg du Niger. Après une première période de trêve, cet accord envisage de laisser aux Touareg l'administration, la gestion et le développement de la région nord du Niger. C'était ici le désert vivant où les hommes chassaient l'oryx, la grande antilope. Pour Manu Dayak, pour les Touaregs, il reste le désert fertile.